Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour Uncharted de The Nathan Drake Collection. Donc c'est la démo, simplement parce que j'ai pas acheté le jeu. Là j'ai pas trop... Attendez, je vais déplacer un petit peu le micro. J'ai pas trop les moyens de tout acheter en ce moment, et puis j'avais pas tellement envie d'acheter ce jeu, mais je vais quand même essayer de vous montrer, on va laisser en facile, ce que ça peut montrer, ce que ça peut donner en version remaster sur PS4, un jeu qui était déjà très joli sur PS3. C'est désagréable. Ça doit venir du générateur. Déjà, c'est 60 images secondes. Encore un peu. Nate, bouge. Ça bouge pas. Je dois rétablir le courant pour sortir de là. Est-ce que ça va aller? Ouais, j'aurais dû apporter un peu de lecture. Eh oui, ma petite. Voilà. On dirait que le coupe-circuit est au dernier étage. Bouge pas, je vais m'en occuper. Bah bouge pas, de toute façon, elle va pas aller bien loin, là. Donc je suis un petit peu avancé par rapport à la caméra, parce qu'en fait, là, j'ai un chat qui est... Voilà, on voit sa tête, là. Qui est en boule, à côté de moi. Donc du coup, je suis un petit peu décalé par rapport à d'habitude. Ah, mais ça le bait. On va essayer de se découvrir ça. Tranquillement, ouais, bon, ça, je suis pas complètement con. Ouais, c'est déjà... C'est 60 images secondes. Ah, 9 mm. Donc déjà, on a le choix des armes. On va pas trop toucher au bonbon de gaz parce que ça sent la connerie. Moi, je sens que je vais me faire péter avec. Donc, ils ont... Ok, bon. Ils ont retravaillé les ombres, les lumières, 1080p, 60 images secondes. Enfin voilà, ils ont retravaillé le truc. Bah ouais, mais moi je veux bien, mais du coup on peut s'accrocher là. Ah oui, voilà. Ouais, parce que j'étais en train de me dire, c'est bizarre quand même. Donc voilà, vous voyez quand même. Ouais, au niveau des ombres, des lumières, c'est tous ces effets-là. Ils ont rajouté des effets de poussière, des effets de particules. Je vous ai dit 1080p, 60 images secondes. Tout ça pour les trois jeux, hein, évidemment. Donc, du coup, ça peut être pas mal. Pour des jeux qui étaient déjà très beaux à la base. Et pour une fois, je vous dirais que c'est une compile qui vaut le coup, même si c'est encore des jeux qui sont déjà sortis sur PS3. Parce que là... Vous avez trois jeux. Ouais, mais moi je voudrais ramasser ce qu'il y a là. Je peux pas le casser autrement, ça. Que d'utiliser des balles. Voilà. C'est une série de jeux complète. Il y a les trois jeux. Et ces trois jeux, voilà, avec une certaine durée de vie. Et du coup, je pense que ça vaut le coup. Pour une fois, une compile vaut le coup. Donc on va pas... Il y a un mec là-bas. Toi, tu me fais mal avec ta patte. Donc voilà, on va pas se... Pour une fois, on va pas se plaindre. Ouais. Il est un peu débile, lui, quand même, non? Ouf. Bon, je joue un peu comme un bourrinos. Comment on se met à couvert? Oh putain. Allez. On peut pas se mettre à couvert ou... Hop là. Ah la vache, il a un fusil à pompe lui. Allez, on va essayer de se dépêcher. Voilà, je voudrais au moins vous montrer ce que ça donne.
sur PS4 et si je peux vous le mettre vraiment. Si je peux vous le mettre vraiment en top qualité, ce serait bien. C'est-à-dire 1080p, mais vraiment avec un bon bitrate pour avoir vraiment une belle qualité. Ce serait pas mal du tout. Alors moi, je suis pas trop connaisseur de la série. J'ai joué un petit peu au premier. Et Oh merde, putain, on va pas crever toutes les 5 minutes quand même là, parce que ça va faire chier sinon. Bon, ça va, on reprend juste ici. Oh là là. Bon, je suis vraiment nul, hein. Voilà, comme dans tous les jeux aujourd'hui. Un petit coup d'air frais et on reprend sa vie. Mais il n'y a pas un. Ah si, voilà, un système de couverture. Parce que là, jouer comme un bourrinos comme ça, ça là, ça peut pas le faire, c'est pas possible. On ne peut pas jouer comme un bourrin comme ça et s'en sortir, c'est impossible. Donc après, c'est comme d'habitude, il y a sûrement plein de choses planquées à trouver et tout. On va essayer de pas perdre de temps. Il y a un petit moteur physique. Ah bon, bah, on va essayer d'aller par là. Je suppose que c'est là qu'il faut aller. Bon, j'ai cru qu'il allait tomber encore. Voilà. Si on pouvait rentrer par là, ce serait pas mal. Hop là. Oh, il est juste sur le bord, ce con. Hop là. Est-ce que j'ai l'air de t'avoir oublié? Je cherche justement où sont les trucs. C'est bon. Je sais même pas duquel ça vient, ça. C'est... Il me semble pas que ce soit le premier, hein. Le premier, c'est le seul auquel j'ai joué et je me souviens pas de ça. Elle y est. Je crois que ça te plaît. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que la démo est en français. Ça, c'est pas mal du tout. Ça a l'air assez joli aussi. Wow, attends que je sois monté avant de faire ça. Ouais, j'avoue que les effets de lumière et tout, d'ombre et tout ça, ça a été bien, bien refait. Vous voyez, une belle distance d'affichage. Non, le jeu est plutôt joli. Alors, j'imagine ce qu'Uncharted 4 va donner. Parce que j'attends de voir malgré tout, parce que bon, voilà, les trailers qu'on voit pour l'instant sont... Marco. Vraiment ? Allez. Non. Marco. Comme un poisson hors de l'eau. Quel manque de professionnalisme. Nyeh, qu'il est con. Parce que bon, les trailers, tout ça, c'est bien beau, mais faudra voir le jeu quand il va sortir, mais... Bon, d'après les premières images et tout, ça a l'air quand même pas mal, Uncharted 4. Alors, sachez que, pour ceux qui achèteraient la compile, ça vous donne l'accès à la bêta d'Uncharted 4, alors je sais pas quand est-ce qu'elle est, mais d'acheter la compile, ça vous donne accès à la bêta.
C'est bien ça, parce que en fait, quoi que tu fasses, ça te dit pas. Bon, il n'y a rien à y faire ici. Je suis désolé si le truc est devant mon nez et que je le vois pas. Oh merde. Qu'il nous refasse pas ces blagues de merde. Ça a pas l'air d'être là. Donc en fait, là, est-ce qu'on peut passer par là? Non. Là, par contre, je sais pas trop. Là-haut, il y a une tyrolienne. Est-ce qu'on peut y aller? C'est sûrement ça. Il y a une tyrolienne. Donc, est-ce qu'on peut aller là-haut? C'est quoi ce machin? On peut pas le péter, faut monter. Comment on va monter? Parce que c'est sûr, faut aller à la tyrolienne là-haut. Mais alors comment? Non, on va pas me faire croire que c'est un truc comme ça quand même, ça m'étonnerait. Voilà, ça pète pas, bah merde, on va pas se retrouver coincé là quand même. Je vais vous montrer plus de 10 minutes de jeu. Faut que je prenne du recul et que je regarde. Si en plus je suis sûr que c'est devant mon nez, mais comme je suis naze, et que je suis un petit peu fatigué aussi, ça aide pas beaucoup. Que c'est sûr, faut grimper là-haut. Mais alors, je suis un peu un glandu et je vois pas comment on grimpe là-haut. Bon, par là. Ah bon, d'accord. Ok. Bon bah voilà. Je vous l'avais dit, hein, c'est fallait grimper, c'était sûrement devant mon nez. Bon bah voilà. Et voilà, glandu.com. Il ne reste plus qu'à trouver le bon temple. Ouais, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je sais, m'en parle pas. Peut-être qu'on pourrait. Oh, bingo. Et voilà. C'est celui-là. Ouais, forcément. Le temple qui se trouve installé au milieu des coups de feu et des explosions. On a de la chance. Mais c'est pour vite à son camp. J'espérais qu'on se dirigerait plutôt vers la direction opposée. Eh bien, à situation désespérée. Drake a été repéré dans le secteur 18. Ah, formidable. Tu crois qu'on a une chance d'être dans le secteur 19? Retournez la ville, trouvez. Ah, je ne pense pas. Il y a une mouche qui me tourne autour là, elle me fait chier. Oh l'enfoiré. Ok, il est temps de partir. Tiens. Allez, Nate, faut y aller! Eh ben, on y va. Tout ça, c'est stylé quand même, c'est vrai que. Ouais. Je regarde un petit peu. Ouais, c'est bien fait quand même. Et qu'a dit elle? Comment on va y aller là? J'ai failli prendre de l'élan et sauter en plus, mais bon, c'était impossible. Ça, c'est pas terrible, ça. On va essayer de pas se casser la gueule, mais bon, vous voyez. Je pense qu'ils ont bien choisi la séquence pour qu'on puisse voir de l'action et tout. Oh là là, j'ai failli m'éclater. Bon, le problème c'est qu'ils sont tellement cons qu'ils restent là-bas.
Il y a l'hélicoptère qui m'allume, ça c'est pas terrible. Oh putain, une grenade. Oh merde, et puis... Oh là là, en plus l'hélicoptère, il était derrière moi là. Bah là, je vois pas trop... Faut surveiller l'hélico parce qu'il était derrière moi après. Oh là là! Bon, je vais jamais y arriver, ça va être une vidéo catastrophique, là encore. Dans vos races, là. Ouf, j'ai utilisé le mot race, attention. Association qui va me tomber dessus direct. Allez, putain. Ah, bah oui, bah non, bah en même temps... Avec ce connard d'hélico là. Moi je dégage, hein. C'est des merdes. Oh putain. Vous voyez, c'est non-stop, hein. Vous avez des phases d'exploration, mais alors quand vous êtes dans une phase d'action, c'est non-stop. Bon, je rêvais un peu, hein, quand j'ai fait ça. Est-ce que l'autre, elle peut tirer? Putain, elle peut faire quelque chose? Parce que ça, c'est chiant. L'autre, elle suit comme une handicapée, elle fait rien. Du coup, oui, ça m'énerve un peu, parce que voilà, là, maintenant, elle... Par contre, c'est bien, les explosions, ça tue pas ses collègues, quoi. Ah, maintenant, par contre, t'attires sur l'hélico, quoi. Le truc qui sert à rien. Regardez, pendant que je suis en train de me faire chier avec l'autre et que je vais crever, elle fait rien. Voilà. Ah putain, elle est un peu lourdingue, elle, des fois, hein. Non, 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 pas l'ascenseur. Pas faux. Regardez, là, elle va mettre des plombes à descendre, et du coup, le temps qu'elle descende... Voilà, je vais me faire aligner comme ça par trois mecs. Eh oui. Bon, il y a des mecs qui volent, hein. Oh putain. Là. J'ai rien pu faire là. Là encore une fois, bon, c'est... Vas-y, je vais crever 150 fois dans un jeu où normalement... On doit pas crever comme ça. Mais parce que là... Oh là là... La catastrophe. La vidéo de merde.
Parce que là... ça sent pas bon. J'ai pas trop compris le délire de comment, pourquoi je suis tombé comme ça. Je pouvais me rattraper nulle part. J'ai rien pu faire. Faut faire quoi là? Et voilà, ça recommence, putain! Je comprends pas. Là, je comprends pas où est-ce qu'il faut que j'aille, ce qu'il faut que je fasse. C'est un peu énervant en fait. C'est peut-être pour ça que je suis pas spécialement un fan de cette série, parce que vous voyez là, on recommence juste là. Alors c'est bien, mais bon, ça fait trois fois et je sais toujours pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Voilà, je sais pas ce que c'est que ça. Alors là, je viens de me faire écraser par une étagère, bon. Allez, on va faire la même phase pendant une demi-heure. Voilà, moi c'est pour ça que je joue pas à ces jeux-là, parce que... Voilà, ben on crève, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Vas-y, ça sert à rien de te battre, toi. Non, bah alors là, franchement, je comprends pas ce qu'il faut faire. Je suis désolé, hein, parce que je suis sûr que c'est encore de la merde. Mais là, je vois pas. Je vois pas et en fait ça me saoule. Je vois pas trop Bon sang, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ça sent pas bon. Oh merde. Ça s'effondre. Ah, puis les autres qui me tirent dessus, ça sert à rien. Ah putain, attendez. Voilà. Ah bah quand même, je serais mort au moins, je sais pas combien de fois je suis mort, au moins 5 ou 6 fois là. Au même endroit. Mais c'est franchement, c'est pas vraiment clair quoi, je sais pas. Bon, des fois je suis un petit peu con, mais quand même. C'est pas non plus super clair là. Ouais. Je sais pas si monter c'est vraiment la bonne solution. Je crois que c'est la basse saison dans cet hôtel, non ? Allez. Là, le mec il se permet de lui faire ça alors que tout à l'heure il a fait la blague de merde dans la piscine. On va retourner voir l'étage au-dessus quand même, on va continuer. Ah bah non, on peut pas. Donc c'est bien par là qu'il faut aller. Bon, alors... Où est-ce que je vais devoir aller? Ça m'étonnerait. Ah bah si. Bon. Des fois ça me paraît vachement loin. Alors du coup je me dis bon... Oh putain. Toujours les mêmes connards en face. C'est moi ou il y en a un qui tire des roquettes? Tiens. De pas se casser la gueule comme un con. Hein, on a déjà fait assez de conneries comme ça aujourd'hui.
Oula, oula, oula. Bon, les mecs sont un peu cons, hein. Bon, en même temps, on est en facile. Mais les mecs sont un peu cons quand même, parce que je suis même pas à couvert, rien. Ah non, non, parce que ça, non, ça me fait perdre le flingue, et le flingue est beaucoup moins consommateur de balles. Donc, non. Et du coup, il faut que je descende par là, ou... Ouais, mais à mon avis, il fallait que je l'éclate. Avec le lance-patate. Et donc là, lâche ça! J'ai pas ramassé un lance-grenade là? Si, bon bah alors, donne-le-moi. Alors, tu fais le fou, tu me suis encore? Ou tu t'en vas? Je te fais exploser, moi. Bon, est-ce qu'il va exploser à un moment, ce connard ? Là, je crois que j'ai épuisé le stock. Hein. J'ai épuisé le stock de grenades, je crois. Donc là, on est dans la merde. Donc là, il est dans la merde, pardon. Ah non, c'était pas des munitions pour lui, putain. Ah si, là, je les ai ramassées, en plus j'ai appuyé sur la touche en passant. Des fois où je le rate, c'est un peu abusé quand même. Et là, par contre, je suis réellement dans la merde. Hein. Non, putain, arrête de faire n'importe quoi. Allez, allez, allez. Il explose un jour, sinon. Putain. J'ai encore plus de munitions. Ouais, ça va, elles ont l'air... En fait, elles ont l'air de réapparaître, les munitions. Ah, bah enfin! Putain! Il va exploser, ce connard. Enfin. Pouf. Bon, ça aurait été bien énervant, hein, cette... Bon, bah, voilà. Donc, vous voyez, il vous dit bien que vous avez les trois Uncharted. Il y a un mode photo, il y a des nouveaux trophées, il y a la bêta d'Uncharted 4. Donc, pour une fois, ça vaut le coup. Bon, vous l'avez vu, ça m'a un peu énervé, moi, parce que c'est pas... Voilà. J'aime bien, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais acheter. Parce que ça a tendance à vite m'énerver, ce genre de truc. Et là, des phases comme ça m'énerve. Moi, quitte à tirer comme ça, je préfère un FPS.
Même, enfin, je préfère attendre Tomb Raider, moi, perso, voilà. Tomb Raider sur Xbox One, que je vous montrerai d'ailleurs à la fin du mois, au mois de novembre, je veux dire, quand il sortira. Donc voilà, moi je préfère attendre Tomb Raider plutôt que d'acheter ça. Si je veux un jeu exploration, voilà, je préfère Tomb Raider. J'ai pareil les gunfights et tout, je préfère un FPS, voilà, tout simplement. Donc on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie, je vous dis salut à toutes et à tous.